Ils sont venus déposer symboliquement 100 tonnes de terre sur le chantier de la ligne grande vitesse pour dire stop au gaspillage des terres agricoles fertiles. Les travaux du futur TGV entrent désormais dans une phase finale. Certaines parcelles agricoles, utilisées comme voie d'accès ou lieu de stockage pendant les travaux, doivent être restituées aux agriculteurs, après restauration, en déposant une couche végétale fertile. COSEA nous dit aujourd'hui ils n'ont plus de terre, suffisamment de terre, où ils ont tout consommé, et ils ne peuvent plus nous mettre de terre dans nos champs à nous, alors que le deal c'était comme ça, quoi. On devait récupérer les terres agricoles avec une couche arable suffisante pour pouvoir travailler. La deuxième proposition, c'est de nous dire, bah, écoutez, on achètera de la terre, diable, on ne sait pas où, ni quelle terre, mais s'il faut faire 200-300 km, on ira la chercher à 200-300 km. Donc au-delà de l'aberration économique, c'est une aberration simplement de bonne gestion, de bon père de famille. On a de la terre disponible sur le territoire, sur les abords de la LGV, il faut qu'elle soit restituée au monde agricole. De son côté, COSEA, l'entreprise en charge du chantier, assure avoir fait appel à un expert en qualité des terres agricoles pour la conseiller. Mais surtout, l'entreprise assure avoir stocké assez de terres fertiles pour restaurer toutes les parcelles. Tous les dépôts dont je vous parle, dépôts et installations de chantier, elle n'a pas bougé, elle a été retroussée, c'est le terme, avec un gros bulldozer sur les côtés du terrain. Elle est mise en merlon sur les rives du dépôt. Et donc c'est cette terre végétale qui a été prise sur le terrain, il n'est pas question d'en amener d'autres d'ailleurs, c'est la terre végétale qui a été à l'origine sur le terrain, qui a été mise en stock pendant toute la durée du chantier et qui va être remise après sur le terrain en fin de chantier. Les exploitants agricoles, toujours inquiets, se disent prêts à monter en puissance avec une mobilisation plus forte à travers des actions coup de poing. Pourtant, depuis le début du chantier, des réunions mensuelles sont organisées entre les maîtres d'œuvre et syndicats agricoles. De son côté, la COSEA assure que le dialogue est permanent et qu'il est normal de voir des inquiétudes émerger en abordant une nouvelle phase du chantier. Les travaux de terrassement, eux, se dérouleront encore toute l'année 2015.